Qu'est-ce qu'est le Kashiwara? Bon. Qui ici connaît la technique Taiyotoshi? On lève la main. Taiyotoshi, tu connais? Déjà? Taiyotoshi. Qui connaît aussi Araigoshi? Ça, c'est moins avancé. Les moins avancés, peut-être vous connaissez pas. Araigoshi. Ok, c'est bon. Osotogari. Qui connaît Osotogari? C'est bon. Parfait. Donc, Sensei va montrer trois techniques. Osotogari, pour commencer, pas plus facile, mais de la façon que moi je fais Osotogari. Ok. Après, on va faire Araigoshi. Ça va ressembler un peu à Osotogari. Changer la direction un peu. Et à la fin, si on a un peu de temps, si on est capable de bien faire les deux premières, on va faire la troisième. C'est bon, Taiyotoshi. Si on fait bien, si on a assez de temps. Ok? C'est correct pour ça? Oui? Ok. On va faire un peu une ancienne. On fait trois pas vers l'arrière. Deux, trois. Ok? S'assoir. Trop. Qui va être mon partenaire? Osotogari. Hein? Ok, c'est bon. Juste Osotogari. Parfait. Ça va montrer une chose. La façon qu'il fait son Osotogari. Vous allez voir. Par ça, parce que mon ami vient de faire. Sauf que je vais vous donner un truc très important pour Osotogari. Quand on fait Osotogari, si on fait juste accrocher la jambe sans voir les kuzushi, qu'est-ce qui va arriver? Ouais. C'est moi qui va tomber. Hein? Si on ne fait pas le déséquilibre comme il faut, si on fait juste lancer la jambe, c'est moi qui est en déséquilibre, c'est moi qui va tomber en premier. Oui. Ça, c'est kuzushi. OK? Donc, avant de faire... Quand on va faire le premier pas vers l'avant, on sait qu'on va faire le pas vers l'avant, lancer la jambe et accrocher. Oui ou non? Donc, quand on va faire les premiers pas vers l'avant, regardez, vous allez tirer un peu sur les côtés, puis en même temps vers vous ici. On va coller la poitrine, l'épaule, sur son épaule. Ici. Ok, donc, on est là. Et on ne va pas partir de face à face. On va aller un peu sur les côtés. Okay? Un petit pas sur les côtés. Pour avoir les bons angles ici pour faire la technique. Quand je vais faire mon Osotogari, qu'est-ce que je dois faire quand je vais faire mon pas? Oui, déséquilibre un peu sur les côtés ici. Donc la manche un peu sur les côtés. Et vers moi. Donc ici. On colle les hauts du corps. La main du col, ici. Ça reste fort. Hein? Il ne faut pas lâcher. Reste ici. On va tirer doucement aussi sur la main du col ici. Coller, coller, coller. Maintenant, on est. Notre jambe de base est en support. J'amène lui vers moi. Regarde, lui dans un déséquilibre. Tout son poids est sur la jambe droite. Parce que c'est la jambe droite qu'on va. Accroché, hein, qu'on va faire le... Donc, j'amène le poids sur sa jambe droite, je lève la jambe et... fais la technique, on se te guérit. Il ne faut pas se sentir, tu sais comment tomber. C'est pas très mal. Bon, petit pas sur les côtés pour commencer. Quand j'ai fait mon pas vers l'avant, qu'est-ce que je fais en même temps? Je tire la manche, le col, ici, ça reste collé. La poitrine ici, ça reste collé. Ok, on plie légèrement la jambe de base. Lève la jambe, regarde. Son poids est sur la jambe droite ici. Ok. Lève et on va accrocher derrière les genoux. On va pointer les pieds. Et quand on finit la technique, qu'est-ce qu'on doit faire? On tient la manche. On tient les partenaires, on ne va pas lâcher. Ok, on
Fini la technique ici. Est-ce qu'on a compris? Donc, une chose qu'il ne faut pas faire, quand on fait les kuzushi, les pas et les kuzushi, il ne faut pas que son poids soit ici, il ne faut pas pousser. Si on pousse, son poids va être de l'autre côté, donc si j'accroche la jambe, lui, contre-attaque. On va avoir l'avantage. Ok? Donc, l'osotogari, ce n'est pas pousser avec les autres corps ici. Pas pousser ici parce que si on n'est pas collé, il faut tirer lui vers nous. Tirer ici. Dans des bases fortes, en équilibre, lève la jambe et on accroche. Est-ce qu'on met les pieds ici? On accroche jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Accroche. Ok? Facile? On va essayer. Ok? Allez! On va faire avec projection. Donc, soyez prêts à tomber. On va faire au moins 10 répétitions chaque. Bon, 6 chutes chaque. Allez, à jouer. Attends. Les partenaires.